Et je vais vous présenter bien sûr rapidement nos intervenants. Karim Mouchik tout d'abord, il est président du CIEL, mouvement associé au Front National, donc du Rassemblement Bleu Marine, et il est également avocat donc, de formation, donc Karim Mouchik. Ensuite, Christophe Boudot, président du groupe Front National au Conseil Régional de Rhône-Alpes, conseiller municipal de Lyon. Il a mené la campagne du Front National à Lyon, qui était une assez grande campagne, on l'a vu, et assez active, avec beaucoup de jeunes, notamment, investis hein, sur les listes du Front National. Membre du bureau politique du FN et secrétaire départemental FN du Rhône. Et enfin, on ne le présente plus, secrétaire départemental du FN dans les Bouches-du-Rhône. Il est sénateur maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille, membre du bureau politique, Stéphane Ravier. Et je précise que Stéphane Ravier devra s'absenter d'ici quelques minutes parce que le devoir l'appelle à Marseille également. Donc je vais lui laisser la parole pour commencer cette table ronde. Merci à tous les trois. Merci Julien. Le temps est proche où les masses affamées du Sud monteront à l'assaut des pays riches du Nord. Cette immigration ne sera ni fraternelle ni pacifique. Dans 20 ans, c'est sûr, la France sera une république islamique. Ces deux propos ont été rapportés par un certain Jean-Marie Le Pen. Le premier avait été tenu par un certain Wari Boumediene, président de la grande démocratie algérienne, à l'ONU dans les années 60. Et le deuxième propos avait été tenu par un chef du Hezbollah libanais en 1986. Et en 1988, au stade Vélodrome, ce n'était pas au stade Gerland, désolé, un certain Jean-Marie Le Pen, quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, rappelait ces deux propos pour démontrer que le premier phénomène allait immanquablement entraîner le second, que l'immigration massive, incontrôlée, allait entraîner un développement du communautarisme, en l'occurrence de l'islamisme, et si aujourd'hui la France n'est pas encore une république islamique, nous subissons depuis quelques mois, quelques années, l'explosion, l'implantation de cellules, de groupes dits islamiques et qui sont passés, il y a quelques semaines, aux actes. Ce qu'annonçait Jean-Marie Le Pen il y a 27 ans, et pour lequel il a été vilipendé, diffamé, voire même condamné, et bien forcé de constater qu'il avait su prévoir, débarrasser de toute idéologie, qu'il avait su prendre en compte des réalités, contrairement à la classe politique qui, elle, est coupée du monde réel, et bien Jean-Marie Le Pen, lui, déjà il y a 27 ans, j'allais dire, annonçait la couleur. 27 ans se sont écoulés. Alors moi, en tant que Marseillais vivant dans les quartiers nord, j'ai, comme vous tous, suivi l'évolution quotidienne de ces phénomènes, de cette délirante, suicidaire politique d'immigration menée par l'ensemble de la classe politique, et je dirais même surtout par la droite, qui en a été à l'origine. La gauche ne s'est pas gênée pour la développer. La droite, revenue aux affaires dans les années 2000 ou les années 95, n'a rien fait pour revenir en arrière, bien au contraire. Donc nous avons pu, au cours de ces 27 années qui se sont écoulées, eh bien, vérifier l'exactitude des propos tenus par M. Wari Boumediene et par la volonté de ce M. Hussein Moussaoui et l'alerte qu'avait lancée Jean-Marie Le Pen. Alors moi, je ne vous cache pas que je ne suis pas un grand théoricien. Je n'ai pu obtenir qu'un bac plus 4, 4 mois. Je suis diplômé d'HEC, hautes études de collage. Parce que si je n'ai que très peu de diplômes dans la théorie,
si je n'ai que de très peu de diplômes, qui confirmerait que j'ai plongé mon travail ou puisé mon expérience dans les livres, eh bien, j'ai par contre un bac plus 27 sur la pratique. Mon université, c'est Marseille Nord, avec deux amphithéâtres, Marseille 13e, Marseille 14e. Et les sujets, il y avait très peu de théorie, mais que de la pratique. Immigration, développement du communautarisme, insécurité, je l'ai travaillé, entre guillemets, comme Christophe et comme beaucoup d'entre vous ici, sur le terrain, et pas dans les livres. Et nous avons pu constater que l'immigration, loin d'être une chance, est véritablement un lourd handicap pour notre pays. Eh bien, tout ça, nous aujourd'hui, c'est une évidence pour nous. Cela ne l'est toujours pas pour nos adversaires, qui, après les événements que nous avons tous subis au mois de janvier, en sont aujourd'hui à être à nouveau à côté de la plaque, nous proposant, restant dans l'idéologie, nous avons entendu le ministre de l'Intérieur émettre le souhait de vouloir former les imams. Alors par qui ? Par quel imam ? Les imams que l'Algérie nous enverrait, que le Maroc nous enverrait, on ne le sait toujours pas. Donc les politiciens français qui sont responsables de la situation, qui n'ont pas voulu voir, qui n'ont pas su voir, qui n'ont pas su analyser la situation, aujourd'hui persistent dans l'erreur et estiment qu'ils vont pouvoir créer un islam de France. Il n'y a pas d'islam de France. Il n'y a qu'un seul et même islam, qu'il s'installe en Italie, en Espagne, en France, il y a un seul et même islam que je respecte, tant qu'il me respecte. Et que ce n'est pas aux responsables politiques de vouloir réformer l'islam ou de vouloir réformer le catholicisme ou le judaïsme, de quoi je me mêle. Ce sont aux musulmans eux-mêmes à s'occuper de leurs affaires. Et j'en appelle à nos compatriotes musulmans, car je sais qu'il y a parmi eux beaucoup de patriotes, car il y a des Français musulmans qui ont montré depuis 50 ans leur attachement à la France et qui n'ont rien dit alors qu'ils ont été traités comme des parias, ce sont les harkis. Les harkis qui sont des Français musulmans, mais des Français d'abord, et qui observent leur culte dans une certaine discrétion, voire une discrétion certaine, qui n'exige pas des minarets de 25 mètres, qui n'exige pas que leurs épouses soient, lorsqu'elles se rendent à l'hôpital, soient auscultées par des médecins femmes, qui n'exigent pas des horaires de piscine pour les femmes, etc., etc. Ces Français musulmans, patriotes, ces harkis qui ont démontré leur attachement à la France d'abord. Donc je suis convaincu, moi, qu'il y a une place pour les Français musulmans dans ce pays. Mais à partir du moment où l'immigration est telle, où elle est tellement massive, où Christophe va nous le dire en détail dans une poignée de minutes, où l'on accueille dans notre pays près de 300 000 étrangers par an et qui viennent rarement des pays du nord de l'Europe, mais plutôt du nord du continent africain, et qui sont pour beaucoup de confessions musulmanes, eh bien ils reproduisent chez nous le schéma ou le modèle qu'ils ont quitté là-bas. Encouragés qu'ils sont par des maires, parce que ce sont souvent les maires des communes, comme Jean-Claude Gaudin à Marseille, qui, alors que les musulmans, que les Marseillais musulmans n'ont pas demandé une mosquée cathédrale, eh bien c'est Jean-Claude Gaudin lui-même qui porte sa mosquée, son projet de mosquée cathédrale, qui ne faisait pas l'unanimité chez les Marseillais musulmans. Un projet qui est tombé à l'eau parce que les musulmans ne se sont pas entendus entre eux. Parce qu'on nous parle d'islam de France, mais encore une fois, il y avait la branche algérienne qui s'est querellée avec la branche marocaine, et puis il y a eu la branche comorienne, et puis la branche salafiste, etc. etc. Donc moi, encore une fois, je dis aux responsables politiques qu'il n'est point la peine d'en faire trop,
et de mettre ainsi de l'huile sur le feu en allant plus loin que les Français musulmans ou que les musulmans ne le souhaitent. Cette mosquée de cathédrale à Marseille, et qui a fait polémique et qui a créé des tensions, était la volonté non pas des musulmans marseillais, mais de Jean-Claude Gaudin, de l'UMP et en réalité de l'UMPS. Les responsables, ce sont eux. Là, encore une fois, à mon avis, à mon humble avis, pour être un observateur et un acteur de terrain, l'islam en France est le même que l'on peut trouver partout ailleurs. Les propositions du ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui, comme celles qui ont été proposées par ses prédécesseurs, sont des propositions coupées des réalités qui ne correspondent pas au modèle religieux qu'est l'islam. Et je le répète, il y a une place pour les Français musulmans dans ce pays lorsqu'ils font passer leur patriotisme avant leurs convictions religieuses, qui sont tout à fait respectables et qui doivent être comme les nôtres, comme la mienne, que je garde pour moi. J'ai rencontré, je vous raconterai une anecdote très rapidement, dans un quartier, dans une cité difficile, comme on dit, à Marseille, dans les quartiers nord, je me rends dans un centre social, dans le cadre de la rénovation urbaine, avec le préfet de région, la préfète à l'égalité des chances, parce que nous avons ça à Marseille, une préfète à l'égalité des chances, pour les autres, évidemment, hein. Et je rencontre des acteurs et des actrices de l'action sociale du quartier, et dont une Marseillaise de confession musulmane se présente à moi comme telle, avec un vêtement, on va dire, qui m'en persuade, et elle me dit: Monsieur le maire, on m'a retiré ma subvention parce que je porte le voile. Alors je lui dis: mais quelle était votre activité? Elle me dit: je fais du soutien scolaire. Je lui dis: écoutez madame, c'est simple, levez votre voile. Vous levez votre voile pendant 2 heures, les enfants de ce quartier bénéficient du soutien scolaire grâce à la subvention que l'on vous aura octroyée. Lorsque vous sortez de la classe, ce pays vous accorde tellement de liberté à partir de la loi sur la laïcité, qu'il vous permet de porter le voile non seulement chez vous, ce qui est évidemment votre droit dans la sphère privée, mais aussi sur la voie publique. Donnez-moi un autre pays qui puisse en accorder autant. Donc l'on vous demande, madame, de faire un effort, de vous inscrire ou de vous positionner sur cette voie commune qu'est la laïcité et qui implique que nous fassions tous un effort à un moment donné. Le vôtre consiste à lever votre voile pendant 2 heures, pendant lesquelles vous faites ce soutien scolaire. Alors elle me dit: ah ben vous êtes islamophobe. Je dis: non, je ne suis pas islamophobe, c'est vous qui faites passer vos convictions religieuses avant la loi commune, une loi constitutionnelle qui n'a pas été faite par le Front National, qui a été faite par mes adversaires, mais nous nous y plions tous. Et vous devez vous y plier vous aussi. Et vous aurez votre subvention. Elle m'a dit non. J'ai dit: ben alors on ne pourra jamais s'entendre. Nous ne sommes pas partis fâchés. Nous nous sommes expliqués, gentiment, voilà quelqu'un qui ne voulait, comme on dit, rien lâcher. Ou en tout cas, qui ne voulait pas faire l'effort que des générations d'étrangers avant elle ont pu faire. Eh bien moi, j'en appelle, et c'est ce que je fais dans les quartiers à Marseille. Lorsque des jeunes me demandent une salle pour abriter leurs activités sportives, dans un secteur où j'ai fait 50 voix et mon adversaire socialiste, 550. Oui, c'est vraiment pas le cœur de mon électorat. Bon, et pour cette personne à qui je lui dis: mais même moi, je peux à la limite vous donner une subvention. Mais il faut faire l'effort. Il faut que vous fassiez vous aussi désormais un pas vers nous. Car depuis 30 ans, on vous a dit, et on a dit à l'ensemble des étrangers, et en particulier les étrangers musulmans: pas de problème, on va tout vous donner. Et le terrain, et la mosquée,
et les heures dans les piscines, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, quand vous leur demandez de faire un effort que nous avons tous fait, eh bien, nous sommes qualifiés d'islamophobes. Nous ne sommes pas islamophobes, nous sommes francophiles, nous adhérons tout à fait à cette loi de la laïcité, sans oublier pour autant, parce que si je suis un responsable politique, je ne suis pas amnésique. Ce pays plonge ses racines dans 16 siècles de chrétienté. Ça ne s'oublie pas. 16 siècles de chrétienté ne se mettent pas sur le même pied d'égalité que 30 ans d'immigration. Je le regrette. Enfin, je le regrette. Non, je ne le regrette pas. Mais il faut qu'ils en aient conscience. Nous avons une identité et nous devons la défendre. La responsabilité, la cause de ces difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, des difficultés de plus en plus graves, des difficultés de plus en plus violentes, même s'il s'agit bien sûr d'un petit noyau, de fanatiques. Mais plus d'un millier sont partis en Syrie faire le djihad. Combien sont-ils ici encore à les soutenir sans être partis ? La seule politique qui soit efficace pour réduire ce danger de l'islamisme, c'est non seulement de stopper, mais d'inverser les flux migratoires. Il faut mettre en place une politique de retour de l'immigration. C'est la politique qui a été proposée par notre président fondateur Jean-Marie Le Pen il y a déjà 30 ans, parce qu'il avait compris la situation. C'est celle qui reste aujourd'hui, celle conduite par Marine Le Pen, et c'est celle à laquelle je continuerai d'adhérer. Merci. Voilà, merci Stéphane. Ça marche. Oui, merci Stéphane. Je vais revenir un petit peu sur des chiffres. Des chiffres qui n'émanent pas du Front National, mais qui émanent de l'INSEE. Vous savez, ces chiffres sont souvent minorés, mais en tout cas, ce sont les chiffres officiels. En 10 ans, 2004-2013, plus de 3 millions étrangers sont venus légalement sur le territoire français. À cela s'ajoutent bien évidemment les 100 000 par an d'une immigration qui est clandestine. Donc on peut penser que ces millions et millions d'étrangers, à majorité musulmane bien évidemment, sont rentrés en France de façon automatique, avec une naturalisation aussi qui est très importante. Par an, la naturalisation, c'est 100 000, 110 000, 136 000 en 2009, 97 000 en 2013. Il n'y a pas de statistiques vraiment ethniques en France. On ne fait pas les statistiques par nationalité, c'est interdit. Mais pour autant, on arrive quand même à savoir un petit peu la réalité des choses. Par exemple, en 2007, une grande enseigne de grande distribution, le groupe Casino, avait réalisé quelques études de marché pour implanter ses rayons halal. Vous savez que maintenant, dans les grandes distributions, on a beaucoup de rayons halal. Ça marchait, un marché très porteur et qui progresse. Cette étude avait mis en évidence qu'il y avait entre 12 et 14 millions de musulmans en France. Ça, c'est une réalité de terrain. Et dernièrement, donc il y a un an, un journal local, le journal Le Progrès de Lyon, s'était fait taper sur les doigts parce qu'il avait osé trahir le secret dans un article assez fouillé, une grande page, osé attribuer les faits de délinquance à des nationalités et à des communautés. Alors je vous lis parce que c'est assez croquignolesque. Vous avez le titre de l'article, c'est « Délinquance, à chacun sa spécialité ». Les cambriolages. Géorgiens, Albanais, Roms, gens du voyage, groupe des cités. Piratage, distributeurs de billets, Bulgares, Roumains, Russes, groupe de cités marseillaises. Vol de ferraille, Roms, gens du voyage. Ça, j'allais dire, c'est une attribution compétence légale. Les braquages locaux. Alors, on ne sait pas ce que c'est, locaux, communauté locale, groupe des cités. La prostitution. Africaine, roumaine, bulgare, albanaise, rome, russe, ukrainienne. Trafic de stupes, locaux, toujours, marocains, albanais. Alors pour ce courage de ce journaliste, Xavier Breuil, il s'est fait taper sur les doigts et il a été rangé, j'allais dire, au rayon des faits divers. En tout cas, il n'est plus du tout éditorialiste, pas au Figaro, mais au Progrès.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose... On arrive quand même à savoir un petit peu la réalité de la présence musulmane en France, même si c'est très difficile. Je crois que le rôle des élus, que nous sommes tous, est de dire non aux revendications communautaristes, de dire un non ferme que les autres ne font pas. J'ai deux exemples sur Lyon, parce que c'est la ville que je connais le mieux, Lyon qui est en tête du championnat de France de football, laissant le Marseille très très loin derrière. On peut l'applaudir peut-être. Deux exemples. Oui, vas-y. Au revoir Stéphane et merci. Deux exemples pour vous dire que les élus ont vraiment un rôle de dire non au communautarisme et aux revendications communautaristes. À Lyon, il y a deux ans, il y a trois ans, chaque année, une subvention au Conseil régional du culte musulman est donnée, est offerte. Il y a deux ans, c'était 22 000, cette année, c'était 28 000. J'ai attaqué, avec mon ami Blanche Sossa, qui est conseiller régional de Rhône-Alpes, la subvention annuelle au CRCM. Bien évidemment, on était le seul à le faire. Nous avons argué que c'était une subvention culturelle qui allait dans le fonctionnement cultuel. Et ça, c'est vraiment à chaque fois pareil. Bien sûr, la demande au TA, l'attaque devant le tribunal administratif, n'a pas abouti. Ça fait déjà deux ans et demi qu'elle a été déposée. L'instruction est en cours. Un autre exemple, mais emblématique, à Lyon, par exemple, nous avons, vous savez, l'amphithéâtre des Trois Gaules, qui est le berceau, j'allais dire, du christianisme à Lyon, où Sainte Blandine a été suppliciée. Son corps est resté 10 jours sur la terre de cet amphithéâtre des Trois Gaules, qui est un lieu sacré. Chaque année, la mairie de Lyon, depuis qu'elle est au pouvoir, en 2001, organise son festival LGBT, hein, gay, trans et bi, sur le festival de cinéma. Donc, pendant 6 jours, une semaine entière, 5 jours, ce lieu est profané, ce lieu est piétiné par toute une faune de personnes. Ça fume, ça boit. Voilà. On est les seuls à défendre ce lieu sacré et ce lieu emblématique de Lyon qui maintenant a été donné au communautarisme le plus débridé. Bien sûr, l'UMP vote toujours pour, le PS toujours pour, les centristes toujours pour, seul le Front National vote contre. Ça me semble une évidence, mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Je voudrais aussi intervenir sur les problèmes de fond que pose cette présence massive des musulmanes sur la nation. À l'école, bien évidemment, Valérie pourrait nous en parler, ou dans des centaines de collèges, des lycées, la totalité du programme ne peut pas être abordée parce qu'il y a des blocages sur notamment toute une série de sujets historiques, notamment. Dans les prisons, j'y reviendrai aussi, où 70% des détenus sont de confession musulmane, il faut le savoir. Ça a été rapporté par un récent rapport de Guillaume Larrivé, qui est un député français, qui n'est pas du Front National, et qui est assez éloquent en la matière. Dans le sport, bien évidemment, nous avons dans nos militants plusieurs personnalités qui sont arbitres, qui sont joueurs de foot, et qui nous disent « mais allez voir les procès-verbaux des ligues de football tous les week-ends ». Vous avez, mais c'est éloquent, il y a des centaines et des centaines de rapports en France où, bien sûr, il faut la séparation des joueurs musulmans et non musulmans dans les vestiaires, à l'intérieur d'une même équipe. Vous avez bien sûr des insultes, vous avez des voix de fête, et tout cela, c'est vraiment une atmosphère communautariste, des prières dans les stades. À Lyon, nous avons le stade Juninho, pour ceux qui connaissent un peu le foot, Lyon 3e, avec l'AS Montchat et l'AS Trinité, où des prières ont lieu avant chaque match, sur le terrain lui-même. Donc quand Marine dénonçait les prières de rue à Lyon, il fallait qu'elle dénonce les prières de rue et aussi les prières dans les stades. Parce que c'est maintenant, c'est devenu monnaie courante. Et bien sûr, dans la société tout entière. Je reprenais un message d'un professeur de collège public, lycée Jacques Brel à Vénissieux, collège Jacques Brel à Vénissieux. Il déclare « L'islam a aujourd'hui pris dans les quartiers la fonction de culture de classe qu'avait auparavant le communisme. » Vous savez qu'à Vénissieux, 88 ans de communisme. Ça va changer bientôt puisque nous présentons une liste Front National aux prochaines élections municipale, partielle, le 22 mars. Nous avons toutes les chances de l'emporter, je crois, ou au moins de bien figurer. 88 ans de présence communiste. Eh bien, ce professeur de collège public déclare « C'est le communautarisme qui soude le groupe contre les institutions.
Et c'est cette espèce de lutte des classes, cette culture de classe, qui a remplacé le communisme avec une lutte contre les institutions, bien sûr la police, l'éducation nationale et les chrétiens, les Français en général, qu'ils appellent les chrétiens. C'est la parole des pauvres de banlieue maintenant. C'est devenu cette espèce de sens de la communauté, la parole des pauvres qu'on avait avant dans les banlieues populaires, qui ne sont pas que populaires aujourd'hui. Il y a deux jours, le préfet de région de Lyon, M. Carinco, ancien directeur de cabinet de M. Borloo à Paris, a remis les insignes d'officier de Légion d'honneur au recteur de la mosquée de Lyon, la grande mosquée de Lyon, M. Kamel Keptan. Il a justifié cette remise de façon assez incroyable. Vous avez beaucoup fait pour l'islam, vous avez beaucoup fait pour votre communauté. Il n'a pas parlé de république, il n'a même pas parlé du dialogue interreligieux, il a parlé que, voilà, d'une façon communautariste, vous avez beaucoup fait pour votre religion, beaucoup fait pour votre communauté. Voilà, ça c'est il y a deux jours, c'était jeudi, 48 heures. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Karim maintenant pour ne pas la mobiliser. J'ai quelques petites pépites aussi sur les prisons. Je vais t'en parler maintenant. Sur l'islamisme et le radicalisme en prison, il faut écouter les gardiens de prison. Je me souviens qu'en 2010, fin 2010, j'étais à Clermont-Ferrand pour une réunion politique et nous avions des surveillants pénitentiaires de la prison de Tulle. Ils nous disaient, mais attention, le monde pénitentiaire, les détenus sont de plus en plus radicalisés. On le savait, islamisés, on le savait. Et pour être tranquille dans une prison, il faut bien sûr passer à la religion. Et quand on est à la religion, y observer toutes les règles. Bien sûr, donc ils disaient, ces gens-là, et ils le disent encore, ça fait des années que nous tirons la sonnette d'alarme sur les dérives islamistes. Le manque de place, bien évidemment, on nous dit qu'on sépare les détenus, mais pas du tout, parce qu'il y a un manque de place. Et avant que les détenus de grande peine aillent dans les maisons d'arrêt, des grandes maisons d'arrêt, comme Fresnes ou comme d'autres, ils sont mélangés dans des prisons plus petites, avec des gens qui ont commis simplement de la correctionnelle, enfin simplement des petits délits ou des petites infractions. Les entorses à la laïcité tous les jours. Alors ça, c'est assez c'est éloquent. Appel à la prière à partir de postes de radio posés sur les fenêtres des prisons avec des CD gravés. Donc tous les jours, sans qu'on leur enlève, sans qu'on leur retire. Les fouilles systématiques sont interdites. Refus systématique de cohabiter avec d'autres détenus mangeant du porc. La barbe devient plus longue. Alors comment on voit un détenu qui est musulman, souvent revendicatif, assez dans le conflit, passer à la radicalisation? En fait, c'est très simple, il se calme. Il se calme, sa cellule est rangée, est propre. Il n'a plus aucune revendication. Il ne suit plus du tout les cours des aumôniers musulmans. Il n'y va plus. L'irrespect au quotidien disparaît. Voilà. La barbe devient plus longue, évidemment. Il cesse de manger du chocolat, des gâteaux, tout ce qui est qui peut avoir de la graisse de porc à l'intérieur. Donc ce détenu, en fait, devient un détenu modèle. Mais en fait, c'est évidemment pour se cacher. Et pour le signe de la radicalisation, c'est le calme en prison. Ça, c'est assez éloquent d'écouter ce genre de choses. Voilà. Juste une petite dernière chose. Un article de RTL, qui est passé assez inaperçu, je crois, en France, a été un article du 21 avril, qui dit qu'en France, je vais retrouver les chiffres exacts pour ne pas vous dire de bêtises, il y a des nouveaux venus qui organisent les mosquées. Alors, vous avez 13 nouvelles mosquées qui ont été prises par les salafistes à Marseille, vous en avez 22 à Lyon. Ce ne sont pas des mosquées, ce sont des salles de prière. Voilà, c'est ça la différence. J'avais l'article sous les yeux, je vais vous le retrouver pour être beaucoup plus précis. Voilà. Recrudescence des mosquées salafistes en France. Si les grandes villes sont les plus touchées, Paris, Lyon, Marseille, le phénomène se propage évidemment dans les villes moyennes. Vitrolles, Alès, Brest. Les intégristes prennent le pouvoir dans ces salles. On dénombre désormais 25 salles de prière radicales en Ile-de-France, 22 dans la région lyonnaise et 13 à Marseille. Voilà, donc toutes ces...
Voilà. Les imams incitent à quitter la terre des mécréants. Donc là, on y va comme à la manœuvre. Et il ne faut vraiment pas se faire abuser entre les mosquées officielles, si j'ose dire, et les nouvelles salles de prière qui sont maintenant prises en main par les salafistes. Et ça, c'est une réalité du quotidien que nous vivons tous les jours. Je crois qu'aussi, Karim, tu voulais nous parler de cette insécurité, de manque d'identité, de ce niveau culturel. Hein, l'insécurité culturelle, ça aussi très important. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Christophe, je souhaitais traiter le sujet qui nous a été confié, qui est ma foi très très vaste. Je rappelle l'intitulé du sujet « Islamisme, communautarisme, délinquance, défendons l'identité, la sécurité et la laïcité ». Alors moi, je souhaitais aborder la question et la traiter sous l'angle de l'insécurité culturelle, l'insécurité identitaire, pour la distinguer de l'insécurité ordinaire, celle qui porte atteinte aux biens et aux personnes. Et cette insécurité-là, qui est un concept qui a été forgé par différents intellectuels, je pense notamment à Nicolas Bouvet, un essayiste plutôt de gauche, qui a fait paraître un ouvrage il y a quelques semaines s'appelant « L'insécurité culturelle », pointe du doigt un phénomène qui existe dans notre société depuis quelques décennies et qui est aussi pesante, me semble-t-il, que l'insécurité qui porte atteinte aux biens et des personnes. C'est donc l'insécurité culturelle, une forme de délinquance identitaire, en quelque sorte. Alors, point de départ du raisonnement, l'ordre établi, notre ordre établi, tel qu'il fut le nôtre pendant des siècles, pendant des décennies. La France s'est forgée, s'est fondée, s'est perpétuée à partir à la fois d'une population homogène, stable et homogène, et d'un socle de civilisation tout aussi homogène. Bon, sur le premier point, chacun est bien conscient que le peuple français a pendant des centaines d'années guère varié. Il y avait certes immigration ici ou là très limitée, des individus qui quittaient quelques territoires européens pour se réfugier en France à des fins politiques, mais guère d'immigration massive comme nous la connaissons depuis quelques décennies, depuis le XXe siècle. Donc une population qui était stable avec des traits ethniques tout à fait homogènes. Donc ça, c'est la première composante de notre identité, en quelque sorte. Deuxième composante de l'identité française, de cet ordre établi dont je vous parle, c'est notre civilisation qui repose, pour faire simple, et je schématise volontairement, à la fois sur un héritage gréco-latin, hein, qui nous a apporté le sens du beau, la puissance de la raison, de la modération, l'aspiration à une certaine forme de transcendance. Deuxième composante de cet héritage, l'héritage chrétien, qui est un héritage fondamental, puisque dans cet héritage chrétien, eh bien, nous défendons la valeur intangible de la dignité humaine. Et de cette composante-là, nous avons finalement reçu dans notre socle anthropologique ce que moi j'appelle l'humanisme chrétien. Et puis nous avons aussi, troisième composante, les Lumières, qui nous ont appris un certain esprit de curiosité, un certain esprit d'émancipation. De ces trois composantes, il est certain, à mes yeux en tous les cas, que l'humanisme chrétien est la composante la plus importante. Donc on voit bien que la France a été construite à partir d'une civilisation homogène et d'un peuple homogène dans ses traits culturels. Et cet équilibre, nous l'avons conservé à la charnière du 19e siècle, du 20e siècle. Encore une fois, l'immigration ancienne, contrairement à ce qu'on dit ici ou là, avant le 19e siècle, était extrêmement cosmétique, si j'ose dire. Tout a basculé au 20e siècle. Avant 1945, il existait une immigration polonaise, portugaise, espagnole, belge. Mais les immigrés venant de ces pays-là faisaient partie d'une ère civilisationnelle comparable à la nôtre. Et dans des proportions extrêmement infimes, les immigrés de cette époque, avant 14-18 ou durant l'entre-deux-guerres, sont venus en France pour aider à la construction ou à la reconstruction du pays, mais en des proportions extrêmement infimes. De sorte que
l'assimilation de ces immigrés-là s'est faite tout à fait naturellement, tout à fait spontanément, sans aucune difficulté. Tout a basculé, la grande bascule démographico-ethnique, si j'ose dire, est intervenue dans le courant des années 60, 70, 80. Nous sommes passés, à partir des années 60, 70, 80, d'une immigration économique à une immigration familiale, pour devenir aujourd'hui une immigration de peuplement. Donc on voit cette évolution, évidemment, qui a des conséquences considérables. Et avec un certain nombre de dispositions législatives, comme la loi sur le regroupement familial, qui a été votée sous le septennat de Giscard d'Estaing, avec un certain nombre de traités qui nous contraignent juridiquement, la Convention européenne des droits de l'homme, et puis tout le carcan de l'Union européenne, eh bien, nous sommes obligés d'accepter sur notre territoire des vagues migratoires considérables. Tu citais des chiffres tout à l'heure, je crois, à moins que ce soit notre ami sénateur qui nous a quittés, de l'ordre de 200 à 300 000 personnes qui, chaque année, arrivent sur notre territoire. Donc on voit bien que les proportions sont radicalement différentes, à la fois donc en nombre, mais également en qualité, si j'ose dire. Car cette immigration-là, cette immigration nouvelle, elle est, pour l'essentiel, de provenance d'un bassin méditerranéen, d'une Afrique subsaharienne, et je dirais aussi, plus récemment, des plateaux de l'Anatolie, la Turquie actuelle. Et cette immigration-là est composée d'êtres, d'individus qui aspirent à s'installer dans notre pays pour y vivre confortablement, en ayant une identité. Ces individus, ces femmes et ces hommes qui viennent en France, ne sont pas des êtres abstraits, des êtres désincarnés, des êtres qui viendraient s'installer en France sans culture, sans identité. Ils sont porteurs d'une identité et d'une religion, en l'occurrence l'islam. L'islam dont les traits culturels sont, pour le coup, radicalement étrangers aux traits culturels de la civilisation française. Car chacun sait bien que l'islam n'est pas qu'une religion. L'islam est une théorie, est un projet de société. C'est un projet de société qui enferme l'homme, l'individu, du berceau au cercueil, durant toute son existence. C'est une confession, c'est un projet de société qui impose à l'individu des prescriptions pour réglementer, régir sa vie quotidienne. Et c'est une religion qui ne reconnaît pas l'existence du principe de laïcité, c'est-à-dire ce principe, ce concept qui a été forgé au cours des décennies passées, après la loi 1905, et qui, pour faire simple, impose une séparation assez claire entre ce qui se passe dans l'univers domestique. On est chez soi, on a le droit de faire ce que l'on veut, de penser, de croire comme bon nous semble, d'avec l'espace public, où là, nous devons respecter une certaine neutralité. Eh bien, cette conception de la laïcité est totalement méconnue par l'islam. Et les gens qui s'installent en France, les immigrés qui s'installent en France, sont porteurs de cette identité. Et c'est de là, me semble-t-il, que vient cette forme d'insécurité culturelle, car évidemment, cette religion qui s'installe en France avec des adeptes qui n'ont aucun état d'âme pour pratiquer, exercer leur foi dans notre pays, eh bien, imprime une certaine visibilité. Nous le voyons bien, que ce soit des boucheries halal, que ce soit des menus à la cantine que l'on souhaite imposer un petit peu partout en France, que ce soit les horaires différenciés dans les équipements sportifs, piscines, nous avons donc, ou même le port des vêtements, puisque nous avons maintenant beaucoup de femmes musulmanes qui portent de manière tout à fait ostensible des vêtements liés à des pratiques culturelles liées à leur religion. Eh bien, cela crée, me semble-t-il, une forme d'anxiété généralisée, une forme d'insécurité culturelle que nos compatriotes ressentent au moins aussi intensément que la sécurité des biens et des personnes dont je vous parlais il y a un instant. Donc il faut bien prendre la mesure de cette nouvelle forme d'insécurité qui existe dans notre pays, qui travaille les esprits de nos compatriotes et qui est, je crois, un phénomène tout à fait nouveau que les médias, évidemment, s'emploient à dissimuler, à nuancer ou à masquer. Alors, je crois que cette situation qui est gravissime, puisque ça impacte évidemment notre manière de voir le monde, notre rapport au monde, bien, il nous faut agir
pour essayer de maîtriser et de contrôler ce phénomène. Alors il y a plusieurs solutions, me semble-t-il. Je ne vais rien vous dire que vous ne connaissez déjà, mais rappelons quand même qu'il nous faut, tu l'as dit à l'instant, Christophe, maîtriser l'immigration. 200 000, 300 000 personnes, c'est 200 000, 300 000 personnes par an, de trop. Il faut donc, comme dit Marine Le Pen, stopper définitivement l'immigration dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes, qu'il s'agisse de l'immigration économique, de l'immigration familiale, de l'immigration de santé, de l'immigration nuptiale. Toutes ces formes d'immigration qui viennent intensément eh bien, modifier la géographie humaine de la France. Alors, ça nous mettra évidemment en porte-à-faux cette volonté d'imposer une immigration zéro avec un certain nombre de traités, puisqu'évidemment, on a des traités qui s'imposent à nous, la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8, un certain nombre de dispositions liées au corpus juridique imposé par le traité de Lisbonne. Eh bien, ce corpus juridique, il faudra s'en débarrasser, soit en renégociant les traités. Je pense que la puissance de feu de la France au sein du continent européen est autrement plus importante que celle de la Grèce. Quand la France dira « je ne veux plus de ces traités-là », on écoutera la voix de la France. Soit les renégocier si nos partenaires acceptent la négociation, soit se retirer de ces traités. C'est un absolu impératif. Donc stopper l'immigration massive. Deuxième condition, à mon sens, normaliser l'islam de France. L'islam est là, nous avons entre 6 et 12 millions de compatriotes ou de ressortissants étrangers de confession musulmane. Ils sont là, il faut bien traiter la situation telle que nous la vivons dramatiquement aujourd'hui. Je crois qu'il nous faut, par rapport à l'islam de France, porter un regard lucide sur les travers de cette religion, en tous les cas de ces pratiques culturelles que je viens très rapidement de vous brosser, et je dirais poser ou imposer des conditions à la communauté musulmane. Dire qu'en fait, en France, nous avons des conditions ou des points qui nous sont absolument non négociables. Des conditions ou des positions sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger. C'est la dignité humaine. C'est l'égalité entre la femme et l'homme. C'est le respect absolu de la conscience individuelle. C'est la capacité pour chacun de changer de religion sans craindre pour sa sécurité et pour sa personne. La nécessité de pratiquer certes son culte personnel, mais de le pratiquer dans l'espace domestique et ne pas l'imposer à autrui dans l'espace public. Il y a donc des conditions que la puissance publique, avec un gouvernement qui à sa tête aurait un chef de l'État, une chef de l'État douée d'un déterminisme et d'une volonté politique forte, d'imposer ces conditions non négociables à la communauté musulmane. Alors vous allez me dire, avec qui entrer en dialogue? Et c'est tout le problème, parce que imposer, négocier, dialoguer, ça veut dire avoir un interlocuteur auprès de qui entrer en dialogue. Et bien, c'est toute la difficulté actuelle, car le CFCM a fait la preuve depuis sa création de son impuissance totale. Et bien, moi je crois qu'il faut mettre la communauté musulmane devant ses responsabilités, en donnant à la communauté musulmane un délai pour s'organiser institutionnellement afin que les pouvoirs publics puissent, dans un délai d'un an, 1 an et demi, 2 ans, avoir un interlocuteur fiable avec lequel négocier. Et je dirais que pour imposer cette restructuration de la représentation institutionnelle de l'islam de France, eh bien, il faut imposer des conditions, donc les conditions que j'ai citées tout à l'heure, mais il faut aussi indiquer que tant que ces conditions n'auront pas été acceptées, tant que cette confession ne se sera pas structurée, eh bien, nous imposerons un moratoire dans la construction des mosquées. Je crois que c'est important de dire que nous ne pouvons pas accepter le développement d'un islam qui pose autant de problèmes et que nous souhaitons une restructuration de cette confession sur notre territoire français et que tant que cet accord général, tant que cette normalisation que nous appelons de nos voeux n'interviendra pas, eh bien, il n'y aura plus de construction de mosquées qui doivent être suspendues. Moyennant quoi, je pense qu'on peut cheminer avec ce cadre
politique qui imposera des mutations importantes à cet islam de France qui est présent sur notre territoire de France, mais qu'il appartient à la puissance publique. Je renvoie à des épisodes historiques, certes anciens, mais qui ont été tout à fait probants. Le Concordat en 1804 avec nos compatriotes de confession juive qui ont accepté que la puissance publique régule, impose un certain cadre à cette confession, ce qui a été fait par le passé. Dès l'instant où nous avons une vraie volonté politique, peut parfaitement être réalisée, me semble-t-il, avec nos compatriotes d'origine musulmane. Et puis, dernier point, je pense qu'il faut, après l'immigration que nous devons stopper, après la normalisation du culte musulman, eh bien, il faut, je crois, rendre désirable notre pays, rendre notre patrie plus désirable qu'elle l'est. Il faut effectivement aujourd'hui faire en sorte que la France soit aimée par ceux de nos compatriotes qui, pour l'instant, développent une certaine résistance à vouloir s'y assimiler, à vouloir s'y intégrer. Donc ça suppose peut-être un enseignement différent, ça suppose peut-être une politique culturelle qui rende désirable notre histoire, notre patrimoine, notre civilisation. C'est tout un travail de fond à mener à l'échelle du pays, sur un mandat, sur plusieurs années. C'est un chantier considérable, mais qui me semble tout à fait inséparable des deux premières propositions que j'ai faites. Donc voilà, je crois qu'il est important de prendre conscience de cette insécurité culturelle, de cette délinquance identitaire dont je parle, qui est aussi importante, me semble-t-il, que la délinquance portant atteinte aux biens des personnes. Et je crois que ce sujet sera fondamental dans la perspective de 2017. Je suis persuadé que lors de la campagne des présidentielles, autant, voire davantage que les questions économiques et sociales, que la question du pouvoir d'achat, la question de l'insécurité culturelle sera, je crois, tout à fait centrale. Merci. Bien, je laisse à Christophe Boudot le soin de conclure en une minute et ensuite on passera à l'atelier suivant. Oui, simplement pour ramener peut-être notre propos sur les élections départementales, bien évidemment la campagne sera nationale, sera sous-tendue par des thèmes nationaux. Est-ce que Karim, toi je crois que tu te présentes aux élections départementales? Oui. Peut-être nous en dire un peu plus pour... Oui, je me présente dans le Val-d'Oise, un département donc pas très loin de Paris, où j'habite dans la ville de Gonesse depuis 1970. Alors, je ne vais pas me présenter dans le canton de Gonesse, où Jean-Michel Dubois sera présent notamment, mais dans le canton qui est juste à côté, le canton de Fosses, qui est un canton à dominante rurale, que je connais bien, que je souhaite connaître davantage, dans lequel je souhaite m'implanter, bien sûr pour faire un bon résultat au cantonal, mais aussi dans une perspective plus lointaine, puisque le canton de Gonesse, ajouté au canton de Fos, et le canton juste à côté, le canton de Goussainville, forment un ensemble qu'on appelle la 9e circonscription législative du Val-d'Oise. Donc vous voyez que le travail que je mène pour les cantonales s'inscrit dans une perspective un peu plus lointaine. Je crois qu'il faut en préparer tous les enjeux électoraux, les enjeux pour les départementales, bien évidemment. Dans quelques mois, les enjeux pour les régionales. Mais il faut penser aussi aux législatives qui vont se profiler dans 2 ans et demi. Et je crois que ce travail d'implantation-là, il faut chacun d'entre nous le faire. En tout cas, c'est ce que je fais dans ce canton de Fosses. Et j'espère avoir de bons résultats. Les statistiques que nous avons pu, avec mes amis du Front National et du Ciel, collecter, compiler, me laissent entendre que nous devrions avoir d'excellents résultats dans ce canton, comme dans tout ce département, qui est un département où nous avons un gisement électoral tout à fait considérable. Voilà. Voilà, je crois que tu as raison, parce que il faut se persuader aujourd'hui que l'élection va arriver. Nous allons avoir des élus, par centaines. Moi, je me présente pas personnellement parce que je suis élu métropolitain. Et la métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier qui ne m'autorise pas à m'engager dans une autre élection territorialement. Et en plus, j'ai bien assez déjà avec Lyon, la région et la métropole. Mais ce que je dis toujours à nos 13 cantons, nos 26 candidats qui se présentent, et aussi à la ville de Vénissieux où 49 personnes se présentent aussi avec nous, soyez persuadés de notre victoire. Nous avons maintenant des scores électoraux qui sont tout à fait extraordinaires. Nous vivons une année historique. Nous préparons donc ces départementales qui auront lieu dans un mois, donc c'est très rapide. Nous préparons bien évidemment les élections régionales qui seront là au mois de décembre. Mais nous vivons une année historique. L'année 2015, c'est l'année de la préparation, de la victoire. Ça, il faut bien en être persuadé. Et pour
persuader les autres, il faut bien sûr en être persuadé soi-même. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que nous allons gagner et nous allons changer de braquet et bien sûr montrer aux yeux des Français, aux yeux de nos adversaires, que le Front National, maintenant, a acquis une maturité politique et pour le bien de la France et de tous les Français. Je vous remercie.